calé d'un coup. Calé d'un coup. Et salam alaikum à tous les frères. Ça vaut quoi? Là on est en train de démonter absolument tout. On va tout refaire. Même la rampe de Thomas. On est avec Alan, Fake et... Tintin. Donc comme ça, on va tout bien installer. On a tout ce qu'il faut grâce à Alan. Voilà, ouais, l'homme incroyable. L'homme caché. T'es caché. Faut baisser les volets, j'ai fait mon boulot, c'est en train de niquer ta lune. Ah, parce que là-bas on fait un timelapse avec un iPhone. Manque de budget, un iPhone et une boîte de thé Maroc. Spécial gunpowder. Gunpowder? Peut-être c'est du thé, genre quand tu le bois, ben t'exploses. Ah ouais? Ouais. Tu penses que c'est une explosion de saveur? Je pense que c'est une explosion de pistolet. Regardez Fake pendant que nous on fait des trucs, regarde ce qu'il fait. Tu reproches peut-être un blanc ou pas? Fake, tu prends un papier crayon et tu notes la commande de kebab. Mais... débarrasse ça, frère. Ok, tu veux quoi toi pour ton grec? Du coup Fake, tu vas faire quoi là? Il va débarrasser ça, il va prendre la commande pour les kebabs là, parce que là je commence à avoir faim. Et quand j'ai faim, je deviens désagréable. Même quand t'as pas faim, je crois. Non. Fake, boisson. PCF, focasis framboise. Il fait trop l'américain là, putain de sa mère lui. Oh là, je pète à coup de prise dans la phalange. T'as dit quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Regarde même, non, regarde, même ça, dis-moi, change de toi. Ouais, regarde, zombie, fais une zombie, fais une zombie. T'as perdu une zombie? Putain, je te couche, putain. La gueule, je te couche, frère. Casse-toi. Attendez le combat, oh le combat de MMA, putain. Ouais, sa petite tête, je vais l'éclater. Je vais l'éclater. Arrête, le bâtard. Je vais le tendre en deux, putain, je vais boire son sang. Tu vas faire quoi? T'es en train de faire des trous là? Au montage, on va mettre une musique de Bob le bricoleur avec Thomas. Ah ouais. Le bricoleur, peut-on le faire? Et Reda, comme c'est toi qui fais le montage, ici tu mettrais un petit panda. Un petit panda ici? Ouais. Ok. Et là tu mets des flammes. Des flammes? Et là il y a une explosion, une grosse explosion là. Ici là? Ah ouais. Ok, let's go. Alors, on va faire quoi là? Pour visser là? Ok, first time hein les gars. Faut bien que ça file, sinon ça passe pas. Eh ouais, mais tu crois que je suis con ou quoi? Regarde, film. Vas-y Fake. T'es dedans. Attends, je vais réussir, wesh. Attends, faut que je le mette là en fait. Parce qu'en fait, la stabilité de la table repose sur cet endroit. J'en ai marre. Attends. Putain, faut que je me concentre, mec. Mais non, mais t'es une merde, putain. Je peux te montrer ou pas? Attends. Ça commence à rentrer. Montre-lui. Tu passes ta vis, tu vois. Tu maintiens bien. Attends, regarde. T'as vu, tu vises le trou déjà. C'est comme pour ça d'avant, tu vois. Tu mets bien là, comme ça. Tu t'appuies et après tu lâches la vis. Tu commences doucement. Doucement, faut toujours commencer doucement. Merde, là, ouais. Là, comme par hasard, il m'a porté l'œil. Tu vois, alors depuis tout à l'heure, je le fais. Ça se passe bien. Et regarde là, on le refait. Laissez le faire, ouais. J'étais con, quoi. Regarde, c'est comme ça. Tu mets la vis. Au début, tu commences tout doucement. Comme ça. Mais appuie en haut, appuie, mais force frère, c'est trop dalle. Regarde où ils sont mes doigts. T'as vu, tu mets sur la petite droite et après tu t'appuies. Non mais là, t'appuies où là? Appuie fort, appuie. Vas-y, pousse-toi. Il est trop nain ce mec, c'est un truc de fou. Déjà, il est plus puissant. Toi, ça va être fond vert là. Imagine quand tu le fais sur les couilles. Tu veux essayer? Ouais, pourquoi pas, ouais. Quel homme. Salam alaikum. Ah, ouais, là c'est une lèche. On va pouvoir faire des shootings photos. Ouais. Hey, y a un faux verre, mets une explosion derrière moi. Regarde ce que tu fais. Ça fait bien au mieux là, vas-y. Tiens. Ça te chie ça, les agrafes ou pas? Tu chiffres dans l'air, la gorge, les voir. Ah, sale bâtard! Voilà, j'en ai reçu une. Là, le 5 euros, il m'a touché. Ah oui, bah oui, ça coûte cher. Regardez les marques qu'il m'a fait. Sérieux? Regardez les marques qu'il m'a fait là, tout ça là. J'ai pris du poids à cause de toi. J'ai pris 80 kilos à cause de lui là. When they needed motivation, what you do? I gave them hope. When my nigga needed money, what you do? I gave them dope every time we. Tu préfères lécher la queue d'un cheval? Non. Mais genre, il est énervé le cheval là, alors il a une queue, frérot. Ouais. Ou alors, tu dois ken un robot. Il y a des pointes et tout. Ouais, y'a pas de pointes. Et attends, c'est pas fini. Le robot, quand tu le ken, eh ben il a une webcam qui est dirigée vers toi, il est retransmis sur Twitch. Il lèche la queue du cheval jusqu'à ce que le cheval il finisse. Genre. Ouais. Le cheval c'est plus. Alors,
Mais personne ne sait le cheval. Mais par contre, tu vois, tu dois vraiment y aller. Je suis quand même pas un robot, je suis quand même un cochon. Bah ni l'un ni l'autre, je serai jamais dans cette. Mais non, c'est à toi, vas-y, mais c'est un tricheur. Mais non, mais pourquoi il est. Choisis. Non, là c'est à toi, tu dois. Tu lèches la queue du cheval ou alors personne le sait. Ou je baise un porc en direct. Mais surtout, après ça se trouve, tu vas me donner d'humeur, tu vois. Mais ça se trouve, ça. Tu vois, les gens ils vont dire, oh putain, il y a un mec qui baise un porc. Je peux pas border pour baiser un porc, je pourrais même pas en fait. Donc, du coup, t'es en train de dire que tu sais sur la queue du cheval. Ah, monsieur, il faut faire un choix. Ah, tout le monde doit choisir. Réla, je prends quoi? Moi, le robot. Ah, le cheval, je le sucerais. Non, mais il te gicle dans la gueule. Ouais. Mais en fait, le truc c'est que toi qui le sais, tu vois. Alors que le porc, oui. Le porc tu verrais intérieurement et en plus tous les gens dans la rue vont te regarder, vont dire oh, regarde, c'est le mec qui a baisé un porc. Mais non, mais je baisse pas le porc non plus. Ah, t'es obligé. Sinon, toute ta famille elle meurt dans d'atroces souffrances, mec. Nous aussi, on crève tous et tout le monde crève. Même toi, tu crèves, mais genre pendant. Tu souffres, ah, genre on t'arrache morceau de peau par morceau de peau pendant 4 ans. Et eux ils peuvent choisir un humain, moi je meurs dans d'atroces souffrances. Tu choisis le porc, tu cannes le porc, donc tout le monde va voir, il va dire oh, il a canné un porc. La honte, Alan il aime les porcs, il a envie de canner un porc, t'as entendu? Ok, donc au final les frères on a bientôt fini. Regardez moi ce fond vert magnifique là. Et ces petites lumières là, et ce petit fake monster. On est tous à bout les frères. Mal au crâne, tout ce que tu veux. Mais au moins on est installé. Voilà, ça donne ça. Et puis voilà quoi, on est paré. Zbub. T'es beau Sinjed. D'ailleurs on a fait une petite surprise à Sinjed qui se trouve dans ce carton. Ok tout le monde, on se retrouve dehors, derrière chez nous. Là on va monter l'arbre à chat de Sinjed. Ce chien de Sinjed là, on va passer une demi-heure. On parie, on va même pas se servir. Ouais voilà, ce sera ça en gros. Du coup bah là on va galérer et on est dans... On est où? Dans un parc. On est derrière chez nous dans un parc. Ok, unboxing, fin l'unboxing. Ça va pas être trop compliqué hein, ça. Alors, il y a un truc pour qu'il se pose dessus avec un petit truc là pour jouer. Il va faire ça comme ça. Ok. Il y a un petit truc pour si jamais fait qu'il me casse les couilles, je le tape avec. Ah ouais, bien vu. Il y a un petit carré pour si fait qu'il me casse les couilles, je le tape avec. Et un autre truc pour si jamais tu vois, je veux me poser comme ça, hop, on est là. Ah ouais. Pour faire les griffes. Au moins il est content, il peut griffer des trucs. Là il y a un autre truc pour qu'il griffe. Encore un autre truc pour qu'il griffe. Qui griffe. Et là il y a un autre truc si jamais fait qu'il me casse les couilles, genre ou Reda, là c'est pour Reda. Si Reda il me casse les couilles, je le tape avec. Là il y a un ballon de baudruche. Alors là je comprends pas c'est quoi l'intérêt de ça. C'est un ballon vide. Non, doit, ouais, en fait ce que je suis en train de me dire, mais il doit y avoir une utilité, je pense. Ok, et il y a des vis. Alors, bon. Si on suit le manuel, en gros je vous explique, là il y a des vis et là il y a des trucs, il y a un truc qui s'emboîte dans le truc, tu vois. Et après il y a un truc là, il faut tourner dans le truc. Là. Ok, bien vu mon pote. Et là, il y a un autre truc qui s'emboîte dans le truc et là il faut remettre les vis dans le truc. Ah mais regardez qui voilà. Ah. En parlant du chat, il monte ça. Rentre. Ok, ça devrait pas être trop compliqué. Là il y a un carré. On va commencer. Est-ce que c'est le carré ou c'est le rectangle qui parle là? Parce que là sur la photo ça a l'air carré quand même, non? Alors, regarde là. Donc là faut mettre celui-là au middle. Oui mais attends, dans ce sens là? Fait comme ça. Ah oui, après ça sera un pied, ça sera comme ça. Ok d'accord. Ah. Mais ça rentre pas mec, faut le visser, trop de balles. Mais ouais mais genre ça se rentre pas. Ah ça. Non? Regarde. Laisse-moi faire, moi tu sais comment on m'appelle dans le milieu? On t'appelle comment? On m'appelle Fake le bricoleur. Le bricoleur, peut-on le faire? Non en fait je t'expliquais. Genre en fait, t'inquiète. On dirait pas, je suis le One Piece là. Ah, il va falloir se défaire, frère. Non, regarde. Il va falloir défaire. Ouais. Ah, non, regarde, j'ai une astuce. Alors, fais comme ça. Et en fait, faut le faire d'un coup. Ok. T'es prêt? Hop là, d'un coup. Hop là, d'un coup. Hop là, d'un coup. Voilà. Et l'astuce, caler d'un coup. Caler d'un coup. On step up en vrai. Caler d'un coup. Qu'est-ce qu'il faut faire, Reda? Ça va? Caler d'un coup. Ok, c'est good. Into. Je gère ça, les gars, c'est bien réfléchi. Là, c'est un beau travail d'équipe, là. Tu me laisses ça, comme ça, je le tiens. Ouais, tiens-le. Il est le trou. Il est là. J'avais dit pareil, la mère a fait que la dernière fois. Tournez d'un coup, mon gars. Ah, j'ai compris. Et ensuite, faut mettre le. Je crois qu'on est bon là. On a monté un arbre à chat. En combien de temps? Ah, 17 minutes. On va encore moins de temps à monter des darons. Oh là, il y a un vieux derrière nous, t'as vu, il est en train de nous regarder bizarre parce qu'on est trois arabes en train de monter un arbre à chat, tu vois. Et je lui dis bonjour de loin, ben voilà, voilà, il m'a mis un vent. Hey, blow up. On ramène ça à la maison les frérots et on va faire un test avec Sinjed. Ah, rentre the bee, on t'a dit. Ok là il est descendu, impossible qu'il remonte les frères, impossible. Sale connard, j'en fais avec toi Sinjed. Allez ciao. Non. Et voilà, tu m'as zaref. C'est fini Sinjed, c'est fini, t'es plus mon pote Sinjed. Et ben voilà, c'est monté. On va pas galérer en plus, je suis pas du tout en sueur là. Nice, c'est kiff et kiff. Vas-y, je vais faire mes griffes. En plus elles font vert, on peut faire des effets de malade. Oh t'es chaud, je le mets dans la lave. Bon, voilà, c'est avec Sinjed. Et salut à tous les amis, bon on a un petit problème. On a oublié de filmer la fin du vlog. Donc du coup
faites comme si c'était la fin. Ça fait plaisir. Oubliez pas de vous abonner. Pouce bleu. On s'abonne. On s'abonne à Fake Monster et à Reda. On s'abonne à Young Tommy. On fait des dons. Et regardez, je viens vous montrer en exclusivité parce que je sais pas si on l'a fait ou pas. Mais dans tous les cas, regardez comme c'est beau. Attends, est-ce qu'on voit là? Regardez l'arbre à chat. Sur la tête de ma mère, vous voyez l'arbre à chat là? Eh ben, je vous jure qu'il est trop haut pour Sinjed et du coup, il arrive même pas à monter dessus. Donc, on a un peu la haine. À chaque fois, il faut que ce soit nous qui le posions et tout. Regardez ce chien là. Dis coucou, Sinjed. Dis coucou. Bon, les frères, du coup, oubliez pas, comme je vous ai dit, pouce bleu, on s'abonne sur Twitter, tout ça. On est en live. Ça fait plaisir. Et voilà. Allez, salut à tous. Ciao. Comment on arrête?